Ouais, pas à tous les amis, et bienvenue dans une petite vidéo aujourd'hui pour présenter la nouvelle mécanique de Diablo, le tank Heroes of the Storm, qui dans le patch actuellement, comme on peut le voir, quand vous faites un petit Q-spell, ça repousse très très loin l'ennemi, et ce qui donne un gameplay assez cassé et très peu fluide du personnage. Et c'est vrai que des fois il y avait des petits misplays qui pouvaient s'effectuer avec le E, le petit grab, après pouvoir ramener vos ennemis. Maintenant, ça a été corrigé, c'est sur le Pictaire actuellement, par deux choses, et on va le voir tout de suite, c'est que maintenant, quand on fait un Q-spell avec le Diablo, vous gardez bien, il y a vraiment un côté, un stick, ça stick bien le perso. On voit sur Arthas qu'il reste bien au corps à corps, ce qui fait qu'en gros, vous pouvez pas louper l'enchaînement, le combo, et c'est encore plus fort et moins frustrant. Surtout, c'est qu'à l'époque, si vous preniez un slow, ne serait-ce qu'un slow, comme on le voit encore sur la vidéo de gauche, c'est que l'ennemi est tellement loin qu'un slow de votre adversaire, et derrière ça, vous avez plus moyen de faire d'aller le grab, en fait, tout simplement. En plus de ça, maintenant quand il va contre un mur, contre une paroi, l'ennemi en question est stun, vraiment. Ce qui fait qu'à la base il est juste slow, mais là on va le voir sur leur tasse sur la droite, quand il se prend un objet, un obstacle, un mur fixe, boum, la cible est stun pendant une seconde. C'est pas mal du tout, et je pense qu'on va pouvoir ressortir les Diablos. Je vous souhaite à tous une bonne journée les amis, ciao ciao, portez-vous bien.